Ooze Gaming. Yo les gens, c'est Ooze et on est sur Mad Max et on est toujours perché en haut de notre petite montgolfière, donc qui nous a servi à identifier, voilà, à afficher un petit peu toute la map. Donc maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Bah on va quitter ce ballon et on va fouiller rapidement dans ce camp parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs plutôt cool. Voilà, regardez. Hop, Jarrican, je pense qu'on s'en balance. Le problème de Jarrican, c'est que, voilà, mon niveau d'essence, je peux pas le voir ici. Je sais pas s'il y a assez d'essence dans ma voiture ou non. Honnêtement, j'en ai aucune idée. De la graille, pas besoin, puisque de toute manière, on ne peut pas la prendre avec nous. Ouais. C'est vrai que pour ce qui est du Jarrican, c'est quand même dommage. Je sais pas du tout si... bon. Est-ce qu'on peut sauter? Oui, c'est bon, on peut sauter. Là, c'est quoi? C'est un élément... Voilà, regardez. C'est typiquement le genre de truc dont je vous parlais à l'épisode précédent. Ce genre de petit coffre qui s'ouvre avec le pied de biche. Et puis pouf, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bon, bah, c'est que de la ferraille. Bah, 18 pièces de ferraille. Nul. Pas terrible du tout, hein, par contre. Alors, là, on a quoi? Bah, on n'a plus rien. La décharge, apparemment, est visitée à 100%. On peut se casser. Où est la voiture? Tiens, elle est là. Nickel. Donc, ouais, Griffa. Ça, c'est vrai que Griffa, vous savez, c'est le mec chelou, là. Alors, attends. Surely, you test my faith. Test and test. Finally, the blacktop. At last, a chance to let the angel spread her wings and soar. Bof, il raconte rien de bien intéressant. Donc là, il y a une décharge juste en dessous de nos roues. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Allez voir ce que Griffa propose. Puisque. Ouais, allez, on va faire un tour quand même dans cette décharge. On va faire un tour. Et puis après. Bon, toi, hop. Merci d'être passé. Au revoir. Hein, ton bus tout moisi, là, on va le dépouiller. Hein. Désolé, mon pote, mais c'est comme ça que ça marche dans le désert. Là, hop, une ferraille. La deuxième est ici. Pff, ouais, petite décharge. Hein. Toute petite, alors. Là, il y a des balles en haut de snipe. M'en balance. Et on se crasse. Bon. Est-ce qu'on peut remonter tranquillement? Ah, le joli petit pont qu'on connaît tous juste devant nous. Là, ça on le défonce aussi. Hey, bah oui, mais forcément. C'est genre, ça c'est un truc que je l'ai senti depuis le début. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais réussir? Non, mais putain, mais reste pas bloqué dans un caillou. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à prendre le tremplin, mais me connaissant, honnêtement, je me faisais pas trop d'illusions. On va essayer. On va essayer cette fois-ci, on va essayer de se mettre en face. Ouais, la passe. Genre, je lui ai enlevé 3 PV. Putain, c'est relou ça par contre. Ça c'est... Hey, oh, vous savez quoi? Je le ferai plus tard parce que... S'il faut se taper à chaque fois le tremplin, merci bien. Alors, Griffa, il est où ce mec là? Ça se trouve, il va nous débloquer un truc de ouf pour Max. Et ça nous aidera pas mal dans les combats. On a vu qu'il y avait des camps maintenant à 4 étoiles. Ça risque d'être assez relou si on n'est pas préparé. Donc ouais, on va le voir. Et puis, ouf, sniper là-bas. On passe tranquille. Voilà, hop. Je crois que je vais même y aller à patte. Parce que la voiture, à mon avis, elle passera pas ici. Genre, j'ai un truc à faire. Yo mec, comment ça va mec? Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Once you had everything, purpose, love, family and friends, they ripped it all from you. You drifted far from what you were, but you still lie inside, dormant, waiting to rise again. No, this is what I am. Maybe not. Perhaps you fear him you carry inside, that he'll hurt you with his weakness. Enough. Very well. Let's have a peek what you've hidden within. Come out. Bon. Là, on a bien vu qu'on avait mis des points un petit peu n'importe comment la dernière fois.
20. Attendez. Ça coûte que 1. Non, ça coûte pas que 1 à chaque fois. Non, c'est pas possible. Vous avez vu, j'ai combien de jetons? J'en ai 29. Putain, je suis vraiment un sac, hein, sans blague. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, ça coûte que 1 à chaque fois. Mais vous m'étonnez que je galérais sur certains fights. Bon, bah là, écoutez, on dépense enfin les points. Atteignez le prochain rang pour débloquer une capacité supplémentaire. Bon, on a récupéré pas mal de vie. Là, c'est. Restaure plus de. Ouais, on s'en fout pour l'instant. Pour gagner un niveau de légende, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que rien que le nom, déjà, ça me parle. Non, 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 non. Voilà, je voulais pas mettre de trucs ici. Là, on a quoi? Récupère plus d'eau. Récupère plus de ferraille. Tiens, ça peut être intéressant. Maintenant, si récupérer plus de ferraille, c'est genre un ou deux de ferraille en plus, ça va pas changer la vie. Consomme moins d'essence. Inflige plus de dégâts avec une arme de corps à corps. Peut rester plus longtemps en mode fureur. Récupère plus de munitions. Peut utiliser plus longtemps une arme de corps à corps avant qu'elle ne se brise. Ouais. On va aller mettre un petit peu de poing dans la sauce. Dans la ferraille aussi. Plus de dégâts avec une arme de corps à corps, non. Hop, hop, hop. On va aller chercher la bouffe. Hein. Maintenant, voilà. Le but du jeu, c'est quand même de tout remplir, de toute manière. Puisque là, je sais pas trop comment on va débloquer la suite. Mais bon. Pour l'instant, on est bien. Ouais, nickel. Allez, je confirme. Ah ouais, tout à coup, ça va aller quand même beaucoup mieux. Regardez la vie en bas à gauche. Waouh. Ça, c'est fat, ça. On va tenir beaucoup, beaucoup mieux. Ça m'évitera de crever comme le pire, comme ça, en prenant juste une tempête dans la tête. Ouais, bon, ça, c'est cool. Allez, ah oui, mais putain, je me fais toujours avoir. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il... Il attend quoi, là? Et en fait, non, c'est à moi de me lever. Bon, bah comme ça. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on va aller voir notre ami Pink. Voir ce qu'il raconte. Par où on passe déjà? Voilà, par ici. Hop, on va ouvrir la map. On va mettre un point là, même si c'est pas forcément intéressant. Là, on a un vagabond qui pourra peut-être nous filer des infos. Bon, bah ce qui est sur la route, est-ce qu'il demande pas trop de temps, on le fait quand même. On va quand même doucement le faire. Voilà. Allez hop, tranquille, on essaye de pas attirer l'attention des mecs là-bas. Ah, je les ai entendus tirer, je crois que c'est raté. Je crois que c'est raté. Oh putain, je me prends un truc, je décolle quoi, je déteste ça. Là, ma voiture, elle part dans tous les sens, c'est désagréable. Il est où? Tiens, il est là. Hop, avec le style en plus. Alors, qu'est-ce que tu racontes toi? Our walls crumble. My sister Pink will succumb if you do not destroy them catapulters. Ah, ça c'est de l'info. Apparemment, il va falloir détruire des catapultes. Bon, on va s'en occuper, mais d'abord on va parler un petit peu à Pink Eye. Peut-être que c'est une nana, je sais pas encore, on va voir. Mais ouais, je crois qu'on est bientôt arrivé. Ouais, nickel. Allez. Hello? Smoke rises. Roots have descended. Oh. Cannon, piston. We must make our presence felt. No. There's no reason to risk our skin here. If Pink Eye should die. We'll use the gear that's in there. Your fabled fingers are nimble enough. My fingers won't fail me, Saint. But these defilers, the very same ones that destroyed my sanctum. Saint, summon into mind the horrors they brought. They will do the very same here. And they will leave no sacred tools. They'll burn what they can't carry. And they break what they cannot burn. Then let's go. Yes. Yes. De la baston là, je crois. Il va y avoir de la baston. Allez, c'est parti. Putain, non, mais ils sont trop. Putain, vous avez vu sa voiture comme elle est stylée? En tout cas, la peinture. Hein. Ah ouais, mais ils sont trop. Ils sont beaucoup trop. On va essayer de balancer des trucs comme ça, regardez. Bam! Je l'ai one shot. Terrible. Toi, t'es mi-life. Je vais pas user de munitions pour toi. Toi, je vais te rentrer dedans comme ça à l'ancienne. Toi, par contre, autant dire que tu vas y bouffer. Voilà, c'est cadeau, c'est la famille. Et puis, bon.
Je pense qu'on est tranquille. Voilà, je pense qu'on est tranquille. On va pouvoir sans problème gérer la situation. Ou pas. Tac, ça va qu'il y a le petit bullet time qui me permet de gérer tout ça. Ouais, à l'aise, vous avez vu un petit peu. Oula, à l'aise, ou pas en fait. Utilisez le harpon pour arracher l'arrière de la catapulte. Ok, mais d'abord, il va falloir que je répare quand même la caisse. Voilà, un petit coup d'extincteur. C'est bon, il a compris son travail. Là, allez, 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 vite, 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 vite. Bon, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On va harponner ça, voilà. Et on va péter cette catapulte, sinon il va briser le truc, le bâtard. Je crois qu'on est pas bon, on est pas bon encore. Non. Il veut pas. On va essayer de le faire péter à l'ancienne, hein. Eh oui, eh oui. Y'a que ça qui marche. Wow. Boom. Là, il y en a une autre, je crois. Alors, toi, déjà, autant dire que. Hein. Rip. Non, bon, à l'ancienne aussi. Putain, c'est pas vrai. Là. Voilà. Ok. Et c'est maintenant seulement qu'on peut. Pas une bonne idée, je suis juste à côté. Mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. On tient le choc. Ok. Ah, une dernière. Putain, merde. J'ai plus de munitions. Comment on fait? Voilà. Ouais, alors là, par contre, c'est problématique parce que. J'ai vu qu'il y avait des munitions sur le PT. Je sais pas si j'ai bien vu, mais. Vous savez quoi? On va descendre à l'ancienne. Tiens, toi, hop. Viens faire un tour par ici. Je veux juste les gérer vite fait. Voilà. Toi par contre tout seul, je pense que je vais pouvoir te gérer tranquille. Tortue Ninja Rose là. Regardez-moi ça, c'est Donatello le mec. Allez, rêve. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un truc là. Putain, on a foutu un bordel. Pendant que notre chum, il va réparer la voiture. Hop, on se chope ça. Et on va se faire un... Bah c'est parfait. Voilà, ça c'est du bon travail. Ça, c'est du bon travail. Les autres sont à l'intérieur. Espérons qu'ils tiennent le coup jusqu'à ce qu'on arrive. La voiture, c'est bon, elle est nickel. Par contre, il n'y a plus de munitions. Eh oui, ça, ça passe problème, ça. Alors, peut-être monter dans les ruines. Fois, il y a plein de tôles, mais je m'en bats la race. Parce que, parce que pour me donner 3 trucs à chaque fois, merci bien, quoi. C'est pas quelque chose d'intéressant. Hop, toi, tu dégages de mon chemin, s'il te plaît. Merci. Là, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est l'entrée, non? Non, c'est pas l'entrée, non. C'est pas l'entrée. Allez, on dégage. Là-bas, il y a un petit point vert. Je pense que c'est... Bah, l'entrée, ouais. Y a un mec. Vite fait de négocier. Voilà, dégage. Putain, on l'a cogné contre le grillage, le pauvre. Le petit surin. Tac. Bon, bah, il va y avoir de la baston, là. À mon avis, à pied, c'est quand même plus safe. C'est quand même plus safe que qu'en bagnole, enfin, je trouve. On a juste à envoyer des grosses patates de forain. Là, neutraliser les tubes. Ouais, bah, c'est ça, hein. Voilà, on tourne les valves. Les vannes, pardon. Les valves. Un peu du pareil au même, j'ai envie de dire. Non, ça suffit pas. Je pense qu'il y en a de l'autre côté aussi. Là, ouais, je sens bien. Eh, ouais, c'est ici. Nickel. Oh putain, on a beaucoup de life maintenant. On va pouvoir tenir deux fois plus longtemps. Ça, c'est assez stylé. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ramasse ça. Même si, honnêtement, les munitions d'armes. On va les utiliser. Bam. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Voilà, toi, on va commencer par te gérer. T'as une arme, tu vas me la donner. Et il faut que je la jette comme le pire. Non, j'ai dit l'arme. Punaise, il n'y a plus personne maintenant. Comment on fait pour en profiter de cette arme? Ouais, j'ai augmenté, vous savez, les dégâts avec les armes de corps à corps. Ce serait bien de les utiliser quand même. Bon, on dépouille. 40% en plus, hein, vous avez vu?
Bonus de ferraille et tout, ouais, why not, pourquoi pas. Pourquoi pas. Toujours ça de prix. Même si je trouve que ça fait pas beaucoup, beaucoup. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, je suis à combien de ferraille? On va aller sur max. Rien de nouveau à acheter, non. Ouais, ça, on s'en balance. J'ai 420, on va économiser un petit peu. Putain, il n'y a même pas de mec à savater là. Allez, je veux un crâne à briser. C'est pas lui quand même. C'est pas lui, Pink Eye. Sinon, ça risque d'être compliqué là. On voit des cadavres un petit peu partout. Là, cette espèce de sac, il est pas capable de sauter. Regardez. Non mais sans blague, mais il est pas capable de faire ça en 2015. Pas vrai. Ça, là, on est obligé de passer par là. Ce petit saut chelou. Aïe. Ah, c'est moche, ça. Ah, ça, c'est moche. On va plutôt partir de l'autre côté, du coup, en fait. J'ai vu qu'il y avait une échelle. Ouais. Est-ce que... C'est bon. Par contre, voilà, on est en 2015. Il arrive à monter une échelle en gardant l'arme dans sa main. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il faut le signaler. Encore de la vieille tôle, on s'en balance, mais on ramasse quand même. Là. Ok, allez, donnez-moi ça. Oh, 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 oh. Ça, on aime ça. Hein. Oh, putain, le vieux lag moisi. Oh, le bat... Oh, le... Alors, non, alors, toi, par contre, toi, j'annonce, je vais venir te savater, mais en priorité... Hop, 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 dégagé, j'ai un compte à régler. Je crois que c'était lui, hein. Jean, allez, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tue le patron ici. Putain, mais les mecs, quoi, vous me voyez venir, il faut aller se cacher. Ils ont envie de se faire taper en soirée dans, vous savez, Power Ranger avec les randoms noirs, là, qui viennent se faire savater un par un, là. Eh ben, voilà. Eh ben, on y est. Putain, il est vénère, lui, hein. Et il n'y avait pas la touche pour l'esquiver. Donc le bleu là, Leonardo, on va le gérer en prio. Regardez, il attend, hein. Il attend son tour, hein. Il attend de se faire tabasser, mais il arrive à esquiver quand même. Putain, les mecs, quoi. Ils esquivent, hein, ils sont pas mal, hein. Pouf, il m'a mis une double droite. Regardez juste ma barre de vie. Putain, c'est relou, ça. Regardez juste ma barre de vie, je suis 1000 life et encore même un petit peu moins. Si j'avais pas utilisé les jetons de Griffa là, ben je serais mort. Eh oui, eh oui. Important à signaler ça. Donc monter la vie, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Bah y'a rien, y'a que de la merde en fait. On sait même pas pourquoi on vient là. Bon, ben on continue à monter. Vous avez vu, j'ai un gun. J'ai encore une balle. Pas utilisée. Non. Moi je joue sans. Voilà, je trouve que c'est trop facile de tirer sur les gens. bon, on boit. Et puis on peut remplir. Vous avez vu? Eh oui, c'est pas mal. C'est le progrès. Voilà, il boit bien comme il faut. On se remet full life. Je sais pas par contre si on va récupérer toute la gourde. Normalement oui, puisque on a augmenté le bonus, pareil. Ah ouais, il reste même encore de la flotte. Ça c'est cool. 40% de bonus d'eau. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Petits trucs qui font toujours plaisir. Là, eh ben on est arrivé. Wheels, wheels, wheels. Lay down your arms. Let's you and me parley instead. No more sticky tricks, Stankum. Today, we finish it. Called my bluff, wheels. It finishes today. The total eradication of all you, everything here. Master order this? Scrotus word? Are you playing solo? Oh, it's sanctioned. Tell me about it. On high. Bring him out! Ah, bah je me disais quand même là, oh. Ils sont en train de se friter, je peux même pas participer à la baston, putain. Alors là, ouais, ouais, ouais.
Là c'est compliqué, franchement ces fights sont compliqués parce qu'il faut vraiment esquiver tout le monde. Lui on va le punir au surin vite fait, voilà, parce qu'il est quand même compliqué. Ça c'est des ennemis qui sont relous, hein, puisqu'on peut pas les savater à l'ancienne comme avant. Là il faut esquiver tous les coups, il y en a qui nous chopent, qui nous rouent de coups sans qu'on puisse rien faire. Hop, est-ce qu'il n'y a pas une arme quelque part, quelque chose là? Histoire de les tanner bien comme il faut. Bon, on esquive. Boum, le coup lourd par contre. Ça marche pas, hein. Vous savez, l'espèce de gros coup lent là. Qui fait très mal sur eux là, sur les ninjas. Regardez. Ah, j'ai réussi à lui caler. On va lui caler lui aussi. Voilà. Ça c'est fait. Ah, par contre, ils sont pas beaucoup. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup plus de monde. Mais en fait, ça va. On les a toisés très, très vite. Alors, allez où? You tell me, son. Tell you what? Tell me why I shouldn't land a slug right between your eyes. I need your help. Let me get this straight. You come here, stranger to my domain, and risk your life to help us. Yes. Desperate and capable. I think we can do business. Listen, Saint. Talk of the big chief in Gastown. Can we trust it? Oh, these folks, they know engines, huh? And the V8 we seek. Let's hear it. They say, to take the big chief, one must win a most dangerous race. Who do I see about this race? The Gastowners call him the Outcrier. Oh, he hangs out near the refinery underbelly. Bon, 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 on vient de terminer encore une mission de l'histoire. Fumée au loin, Pink Eye a été sauvé des griffes de Scorbut. Espérons que ça en valait la peine. Bon, bah, nouveau camp. Donc, du coup, nouvelle quête. Je sais pas trop où. Ah, faudra peut-être gagner sa confiance. Eh oui. Comme ça l'avait fait pour Gilgash, là. Il y a une quête bleue. Attendez, on va se rapprocher de la quête bleue là qui est en haut parce que. Chelou. Ce serait quand même plus facile avec une échelle, non? Pas comme ça que ça marche chez vous? Bon. Bon. On va se taper tout le tour, hein, à l'ancienne. Donc, ouais, ouais, j'imagine qu'elle va me dire: ouais, mais je sais pas t'es qui, t'es un putain de random, il faut que t'ailles me tuer ça, si, ça, faire ci, faire ça. Et peut-être qu'on pourra discuter. Je pense que ça va être un truc dans ce goût-là. Alors, on avait dit quoi déjà? Les espèces d'amélioration, quand c'est en beige, ça veut dire qu'on n'a pas ce qu'il faut. Faut que ce soit en bleu, je crois. Bon, pas grave. Allez, on va écouter ce qu'elle raconte, celle-là. Commencer la mission. The time has come for us to uproot. There's no way we can stand up to Gastown. I'm sending my young ones away. Across the Great White. Out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels with a sail to catch the wind. Why are you telling me this? I think you might help me for a price. I've found a fitting sail. I know where to get it, but not how. As reward, treasure from the days of old, still buried beneath the dunes and ruins. Pink Eye a l'intention de traverser le Grand Rien pour fuir la folie de Scrotus, mais il lui faut une bonne voile pour son vaisseau des dunes.
Scrotus a installé un collecteur de rosée avec une grande bâche publicitaire dans le camp de fouet. Récupérer la bâche. Très bien. Très bien, très bien. Mission en temps voulu. Alors là, on va aller récupérer cette satanée bâche. Maintenant, là, je vois qu'on est quand même à 25 minutes de vidéo. Donc, je pense plus qu'on approche de la fin de cette vidéo. Voilà, pour éviter de commencer une mission comme ça en plein... Bah, en fin de vidéo, c'est pas très logique. Alors... Ouais, je vois pas trop où c'est le truc. C'est là. D'accord. C'est là, c'est là. Bon, bah très bien, bah écoutez les amis, on va se quitter ici, d'accord? Moi je sauvegarde, j'arrête pour aujourd'hui. Et puis de toute façon, bah on se retrouve très bientôt pour la suite. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci de regarder les vidéos et puis à bientôt. Ciao, ciao.